James Brown. Ouais, ah oui, oh, c'était un grand moment, il était en face de moi comme ça, silence de mort, d'un seul coup je le regarde, puis je lui fais Get up. Ça va, merci. Raphaël, vous vous êtes rendu compte à quelle époque on pouvait être drôle avec un gilet en laine? Je m'en suis jamais rendu compte. Ah ouais? Non, je l'avais acheté de mon plein gré au départ et je me suis dit, tiens, c'est beau. Parce que je vais faire journaliste et je me suis dit, il faut que je sois au top et j'étais au top. C'est fou ce gilet, ce que ça a fait pour vous. Terrible. C'est vrai, mon mauvais goût m'a aidé. Hein. Ouais. Ouais. Non, c'était bien, c'était un beau souvenir. Je me rappelle, c'était un samedi après-midi, j'étais avec mes parents, puis on s'est dit, tiens, faisons les courses. Et... Ils s'appellent comment, vos parents? Lucienne et Michel. C'est joli. Voilà. On dirait un titre de Lelouch. Oui. Ça peut faire des ventes en plus, je suis sûr. De place. Alors en fait, moi, j'ai, oui. En préparant cette interview, je me suis aperçu qu'avant vos fameuses interviews piégées, en 92, vous aviez eu l'idée de créer des programmes pour pirater Antenne 2 à l'époque. Oui. Vous vouliez mettre un émetteur dans un smirmorque. Oui. Et faire le tour du périph' pour pas qu'on vous repère, oui, d'une certaine façon. Ça, ouais. Et il y avait deux jumeaux, vous interprétiez, vous d'ailleurs, Raffi et Raffo. Oui. Voilà, hein. Et à 3h du matin, vous débarquez chez les gens, ouais, avec du bâton de berger. Oui, genre, je frappais, parce que j'adore le porte-à-porte, c'est mon truc, donc ah je ouais. frappais. À 3h du matin, avec une saucisse à la main, je dis bonjour, bâton de berger, juste un bridou, il n'y a pas d'heure pour en manger, ce que vous en voulez. Et voilà. Comment il a commencé? Ouais. Oui, je fais plein. J'ai fait aussi je me suis mis à poil au bois de Boulogne et puis je tapais contre un arbre pendant 2 heures avec un Tahiti douche aussi pour voir ouais. si. Puis il a pas plu. Ouais. Et voilà. Et après, il y a eu vos fameuses interviews piégées, 136 victimes. Hein, oui. C'est pas rien. Hein. Non, bah non, non, non. Et puis maintenant, les stars internationales. Oui. C'est-à-dire que comme les Français sont au courant. Vous oui. attaquez à Brad Pitt, à George ouais, Clooney, ouais. à Jennifer Lopez, Britney Spears. Ouais. James ouais. Brown. Ouais. Ah oui, oh, c'était un grand moment, il était en face de moi, comme ça, silence de mort, d'un seul coup je le regarde, puis je lui fais « Get up !» Ouais. Ah oui, oui. Ah, bah. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez constaté que les stars américaines, en fait, elles continuent imperturbablement. C'est-à-dire même s'ils s'aperçoivent que c'est un gag ou que vous n'êtes pas un vrai journaliste, ils continuent à faire le boulot, quoi, quand ils font leur press junket. Bah, ils sont professionnels, quoi. Ouais. Je dis, ils sont peut-être tous comme ça en France, on sait pas. C'est vrai qu'ils nous prennent pour des Gabonais en même temps. Peut-être c'est à cause de moi, on sait pas. Voilà, puis alors ensuite, vous êtes passé au one-man show, d'abord avec Je m'entraîne. Oui, bah, c'était avec Pierre au début. Il m'a beaucoup poussé, beaucoup. Il me dit, vas-y, t'as un univers très particulier. Il me dit, c'est vrai. Il me dit, et moi je l'ai écouté au tout début parce que le premier spectacle, j'étais jamais monté sur une scène, je l'appelais Je m'entraîne. Ouais. Bon, j'ai annoncé la couleur et je lui dis, par quoi on commence? Il me dit, bah, t'as commencé par l'entracte. Voilà. Et la première semaine, j'ai vraiment démarré par l'entracte. Le rideau s'ouvre, je dis, bonjour, je peux pas par quoi commencer, donc entracte. Ouais. Et je me barre, je reviens 20 minutes après. Et moi, ça me faisait rire parce que je regardais à travers le rideau, puis les gens ouais. ils se levaient, au bout d'un moment, ils disaient, c'est un con, qu'est-ce que ce truc, puis ils se barraient très furieux, quoi. Ouais. Après, je suis presque au point. Voilà. Et là, maintenant, ah ouais, maintenant, je crois que je suis au top. Je crois que je suis au top. Le spectacle ouais. s'appelle Je crois que je suis au top. Ouais. Alors, il y a des questions essentielles dans ce spectacle. D'où vient la poussière? Ah, c'est vrai, ouais, on sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas d'où vient on la sait poussière. Pas, ouais, ouais, ouais. Il y en a partout de la poussière. Oui, c'est vrai, puisque quand on met du produit anti-poussière, à quel moment la poussière le voit? Il y a des trucs comme ça. Que faisait Dieu une semaine avant la création? Ouais, Dieu seul le sait. Pourquoi il y a écrit fin à la fin des films et il n'y a jamais écrit début au début? Mais demandez à Costa Gavras. Parce ah, bonjour, monsieur. Vous... Bonjour. On n'écrit plus fin. C'est on n'écrit plus fin. Non, ah, oui. Non, c'est fini. Ouais, à vous, la fin, c'est alors. C'est très rare. Ah, dans le film, la fin, elle est très surprenante. Hein. Dans le couperet, là. On ne sait pas, quoi. Bah, je ne vais pas dire, parce que je ne vais pas rendre le truc. Je ne sais pas dire. Ah, tu me prends pour un c'est con, c'est le colonel Moutard. Elle est vachement bien. Non, la fin est très surprenante, voilà. Hein, ça laisse sur une espèce de point d'intérêt. C'est un polar. Voilà, c'est polar, absolument. Pardon, si on parlait de moi un peu, là. Alors, c'est vrai que le public vous a connu, surtout à la télévision, dans le rôle du journaliste ringard. Ouais. C'est un peu votre image de marque. Ouais. Mais est-ce que les gens payent pour aller vous voir? Est-ce que finalement les gens vont... Bah, je vais dire de plus en plus, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Ouais.
Mais ça, ouais, ça va bien. Quoi. Mais à la fois, c'est très difficile, pour parler sérieusement 8 secondes, c'est très difficile de passer, quand on est formaté télé, moi je suis formaté télé, mais je ne peux pas être plus formaté que ça, passer de télé à spectacle, c'est très 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 compliqué. Ouais. Quoi. Ouais. D'ailleurs, quand vous demandez aux gens pendant votre spectacle, vous dites qui a failli pas venir. Oui, il y a 80% des gens qui lèvent la main quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est 80% des gens ont failli pas venir. Ah. Non, c'est un numéro privé, je réponds pas. Oui. Il y a 80% des gens qui ont hésité. Ouais. Et alors pourquoi ils viennent alors? Ils viennent en général parce que c'est. Alors moi c'est très particulier, j'ai un public assez. J'ai je demande qui fait quoi, je dis qui est de droite, qui est de gauche. C'est essentiellement des femmes. Mmh. Beaucoup, vieilles? J'ai des vieilles aussi. Ah ouais, ouais. Des vieilles qui. Moi j'adore les vieux, donc il y a beaucoup de personnes âgées. Et il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Et c'est beaucoup gauche caviar et UMP. Voilà. Ah ouais. Ouais, entre les deux noms. Les ados, je les ai paumés. Mais ils sont où? Chez Jamel. Sûrement, ou ouais. Dubosc et tout. Ouais. Non, mais ils sont pas trop chez moi. Ouais. C'est marrant. Mais c'est bien, c'est, ouais. C'est pourquoi pas. Et alors, vous faites faire votre spectacle par le public, vous demandez son avis, est-ce que le texte vous plaît, est-ce que la mise en scène vous va? C'était au début, parce qu'au début, je savais tellement pas du tout où aller et comment faire un spectacle, que je m'arrêtais, je dis, bon, ça, il vous va, ce sketch. Et à un moment, on me dit, non, laisse tomber. Et je me rappelle, les 3 premières semaines du Petit Palais des Glaces, on avait toujours un peu les mêmes gens, parce qu'on récupérait des gens à droite à gauche dans la rue, on leur donnait à manger des crêpes, parce qu'il y a du manger chez moi, donc comme ça, les gens restent. Et il y avait une mamie qui disait à une autre, elle disait, c'est chiant. C'était au début, hein, maintenant c'est au top. Et l'autre elle lui a répondu, oh, vous avez de la chance, la semaine dernière, c'était pire. Alors maintenant, on va jouer un peu à l'arroseur arrosé. Je vais vous faire une interview, Raphaël Mesrahi. Aïe. Alors, bonjour, monsieur Mesrahi. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Thierry Paillasson. Je vous demande d'être indulgent avec moi. C'est ma première interview. Oui. Merci. Voilà, allez-y. Ouais. Vous allez jouer au Stade de France, mais contre quelle équipe? Bah, je vais jouer seul. Mais j'aurai peut-être des premières parties. Oui. Est-ce que je peux vous appeler Pierre Palmade? Parce que pour moi, c'est mieux, mon patron voulait un mec connu. Oui. C'est possible de... Je vous appelle Pierre Palmade. C'est beaucoup d'honneur, alors. Vous êtes d'accord? Ah ben, je suis d'accord, il faudra lui demander après à Pierre Palmade. Ouais. Alors, Pierre, votre sketch sur la chauve-souris, vous avez eu l'idée comment? Bah, j'ai eu l'idée parce que moi, j'aime beaucoup les animaux. Ouais. Donc, puis en plus, je suis spécialisé dans les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Ouais. Et... Je cherchais absolument, bon, bah, parce que le problème c'est que quand on achète des chauves-souris, quand on les récupère, bon, ça dépend, on ne sait pas comment les soigner. Ouais. C'est ça, donc là j'ai trouvé un spécialiste du NAC et... Vous avez fait votre sketch sur les chauves-souris. Chauves-souris, ouais, ce qui m'en avait parlé, j'ai dit tiens, on parle rarement de ça. Bien. Et votre sketch, le lâcher de salade, vous n'avez pas peur de vous attirer les foudres des chasseurs? Non, les chasseurs, vous savez, je les emmerde un peu, quand même. Mais je les aime pas du tout. C'est vrai que sur votre maison, vous avez marqué « J'encule les chasseurs ». Et en dessous, c'est écrit « Enculé, c'est vulgaire, mais chasseurs, c'est tellement pire ». Alors, Pierre, alors il y a une question que j'ai piquée à Ardisson, mais enfin, je l'ai retournée un petit peu à ma manière, quoi. Est-ce que sucer le pouce d'une amie, c'est tromper? Ben, ça dépend si elle a des petits bras. Allô? C'est ce connard de Baffy. Comment ça va? Hey. Il te déteste, il te déteste, t'as vu? Bon, comment ça va? Oui. Le chèque est pas arrivé? Ah ben je sais pas, moi ils m'ont dit qu'ils te l'avaient envoyé. Ça va autrement alors? Ouais. Ah ouais non, c'est pas le moment d'envoyer l'avocat là pour une histoire de chèque qui est pas arrivé, déconne. Bon allez, je t'embrasse. Tiens ma poule. Eh oui, eh oui, eh oui. Aïe, aïe, aïe.
me déshabille tout de suite, non? Alors. Ça montre pas la caméra et dis ce que tu penses. Oh, quoi? Vous devez dire du mal de sœur Emmanuelle. Ah bien, bien, bien. Alors je vais vous raconter. Ah bah vas-y. Non mais je vais vous raconter une anecdote sur sœur Emmanuelle parce qu'elle est venue voir mon spectacle en Suisse il y a quelques mois et je fais un sketch sur les juifs et j'explique que je suis plus juif parce qu'on m'a retiré tous mes points parce que j'ai fait Noël. Et justement, que faisait Dieu une semaine avant la mort, etc. C'est Dieu seul le sait. Et juste avant de donner la réponse, il y a Sœur Emmanuelle qui est au premier rang, à Genève, et qui commence à parler. Parce que j'entendais pas, donc ça donnait un peu un bruit. Et donc je dis, ma sœur, bouge pas, parce qu'on se tutoie. Et donc je vais chercher le micro et je lui tends. Et elle me dit, ah ben figure-toi, Raphaël, que moi aussi je suis juive. Ah bon, je crois qu'elle plaisantait. Parce que si elle m'avait dit qu'elle était musulmane, ça m'aurait fait marrer, mais juive. Bon. Et elle me dit, oui, je suis une fille Dreyfus et je suis très fière d'être juive. Et sœur Emmanuelle est juive, donc j'ai appris que sœur Emmanuelle était juive ce soir-là. Jean-Pierre Foucault aussi. Hein. Et oui, Jean-Pierre Foucault, incroyable. Ouais, hein. Ouais. Il y a Lustiger, Jean-Pierre Lustiger Foucault. Lustiger aussi, oui. Jésus, oui. Il recrute à l'extérieur. Hein, et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.